Et on y va sur Énergie Antillais. On reçoit aujourd'hui une artiste emblématique du dancehall game antillais. Vous la connaissez avec des sons comme ça. Des sons comme ça aussi. Ou plus récemment, celui-là. Branche dans l'autre trou, branche dans l'autre trou. Et qu'est-ce qu'on est des bras cassés quand même. Bonjour Chrissy. Comment ça va Chrissy? Ça va, très bien. Ah ben merci d'être la première invitée de 2021. C'est toi la première en plus, hein? Voilà. Notre guest magnifique. Tu as passé de bonnes fêtes, tout ça? Oui, quand même. C'était assez agité quand même du côté musical. Ah bon? Ah oui. On va en parler vite fait tout à l'heure. Justement, Happy New Year. Sinon, tu as des résolutions ou pas pour cette nouvelle année 2021? Projet, tout ça? En fait, c'est pas des résolutions, c'est plus des objectifs. Tu vois, c'est plus concret, donc Ok, on en parlera tout à l'heure, sauf si c'est top secret, hein, il faut nous dire. Hein. Bof. Non, pas top secret, on verra tout à l'heure. Alors, artiste, oui, mais t'es également businesswoman, puisque tu avais lancé ta marque de vêtements en 2019 en mode bas de Cendrillon. C'est ça. Ça, on est où aujourd'hui? C'est toujours possible d'en acheter? Je développe au fur et à mesure, parce que bon, il y a eu des bijoux entre-temps, des accessoires, donc Ok. Et donc le nom c'est Bas de Cendrillon. C'est quoi ta définition d'une Bas de Cendrillon? C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'un prince charmant. Quelqu'un qui. C'est pas que tu ne dois pas avoir le prince charmant, c'est que tu n'as pas besoin. Tu peux pas dépendre de quelqu'un comme ça en ta vie. C'est pas un besoin, c'est une envie. C'est une envie. S'il est là, oui, encore, mais sinon. Ok. Chrissy est notre guest du vendredi sur Énergie. On revient avec les questions de Stéphanie tout à l'heure. Les questions des auditeurs également. Et on parlera aussi évidemment de ce clash. Bon, les questions de Stéphanie, la rubrique. La rubrique de Stéphanie. C'est même pas ça. La rubrique est tellement bancale. On t'a pas demandé tout ça, Hugo. D'ici là, on écoute Terry avec Odjuro sur Énergie. Et on revient avec Chrissy, notre guest. Énergie Antilles, c'était Terry à l'instant avec Odjuro. On reviendra avec le Flash Info. On continue également l'interview de notre guest Chrissy qui est avec nous. Yes. Ça va toujours Chrissy? Oui. Oui, on t'a mis un petit déjeuner. Tu n'as encore rien mangé, tu n'es pas vorace. Je fais la fille bien élevée. Ah. Mais tu sais que Stéphanie attend que tu aies commencé pour ensuite son piffrer. Donc il faut pas que tu commences. Chrissy est avec nous, on reviendra sur son actu, ses inspirations. Et puis Stéphanie va la titiller un petit peu avec ses questions. Yes. Ce sera tout à l'heure, d'ici là on revient après ça. Et notre guest aujourd'hui, on l'a dit, c'est l'artiste Chrissy. Ça va toujours Chrissy? Oui, bien super. Installé tranquillement. On va parler évidemment de ton actu. Et ton actu, c'est entre autres ce clash avec l'artiste Shannon. Comment ça va? Elle est fâchée, elle a pas répondu à la demande de Hugo. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on lui a proposé de venir également la semaine prochaine. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Donc, on va pas faire toute l'émission sur Shannon et sur le clash, mais c'est bien de savoir un petit peu où on en est. Alors, je vais resituer. Tu me dis si je me trompe, hein. Je replante le décor. Pour resituer un petit peu, alors, tout est parti de la sortie de ton titre Marionnette, dans lequel tu dis, elles le font, trois petits sons et puis s'en vont. Et certains internautes ont commencé à supposer que tu parlais de Shannon. Elle aussi, elle l'a supposé. Et s'en sont suivis des tweets, des sons, des stories de la part de Shannon. Et de ta part. Aujourd'hui, ça en est où, Chrissy? Ben, moi, j'ai répondu, j'attends, je m'ennuie. Ah oui, c'est vrai, l'attente est un petit peu longue. Comment tu aimerais que ça se finisse? Est-ce que tu aimerais que ce clash-là se finisse à un moment donné? Ben, là, ça fait un petit peu d'actu, puisque bon, les gens aiment ça, donc moi, c'est du son que je fais, donc si elle veut répondre, je vais répondre derrière et ça va pas finir. Hein. Ok, mais est-ce que tu penses quand même qu'un apaisement et une paix sont possibles ou pas du tout? Non. C'est vrai? C'est chaud. Bon, nous à Énergie, c'est vrai qu'on vous aime toutes les deux. On aime beaucoup Chrissy, on aime beaucoup Shannon. On aurait aimé vous réconcilier, faire la paix, vous proposer un rythme, vous faites un son dessus, après on joue le son, machin. Next. Ah! Mais Bob, j'ai pris un Bob dans ma tête. Ah, mais je pense aussi, mais il est trop au champ. J'ai l'idée à dire ça. C'est vrai, déjà dit ça en plus. Hein. Bon, on revient sur Énergie Antilles avec les questions de Stéphanie. Si vous voulez poser des questions, vous aussi, à Chrissy, pourquoi pas, appelez-nous. Hein, 0825-825-696. D'ici là, on s'écoute Dema Fred. Eh, ça m'a dit quelque chose ce soir, on connaît. Chrissy sur Énergie, c'est notre guest du vendredi. On y va, 8h42 sur Énergie, on continue un petit peu à cuisiner notre guest du vendredi, Chrissy. Yes. C'est Stéphanie qui prend la parole. T'as pas mon rythme là? Ah, tu voulais ton bed? Alors, Chrissy, la consigne, je vais te donner 5 noms de femmes connues et tu devras me dire si elles sont des Bas de Cendrillon ou des marionnettes. Alors tiens, voilà. On y va, je sais pas si tu connais Anne-Marie la chanteuse. C'est une chanteuse américaine. Donc elle aurait tiré sur son copain un coup de fusil à la tête parce qu'il aurait trompé.
Aïe. Bon, okay. C'est un comportement tout à fait excessif, mais quand même, bat de Cendrillon. Aïe, 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 c'est bon. Ok, Cardi B. Alors, après de nombreuses infidélités de son mari Offset, elle reste malgré tout. Donc, C'est leurs affaires, hein. C'est leurs affaires. Mais c'est une petite marionnette quand même. Ensuite, Kim Kardashian, qui demande le divorce avec, à son mari Kanye. Parce qu'il aurait trompé, selon les rumeurs, il aurait trompé avec un homme, Jeffree Star. Maquilleur, non? Un maquilleur. Ouais, c'est une blague sans brillant. Voilà. C'est ça, là. Ensuite, Jada Waïda, après avoir offert à son copain Lil Baby, le rappeur, une montre à plus de 200 000 dollars, il aurait trompé avec une biatch le soir même de son anniversaire. Mais elle est toujours là, elle est restée avec lui. Bon, allez, marionnette. Et ensuite, bon, celle-là, bon, on va donner une petite inconnue. Une fille qui se sent concernée par des propos et qui répond en musique. Bat Cendrillon. Ok. C'était tout pour moi. Merci Stéphanie pour tes questions. On va revenir avec les questions des auditeurs, la promo de Crisis en actu, etc. D'ici là, on s'écoute Bad Cendrillon sur Énergie. Montez le son. Toujours avec Chrissy sur Énergie Anti, notre guest du vendredi. On va passer aux questions des auditeurs. Ils nous les ont posées sur les réseaux sociaux. Alors, on démarre par la liste qui maquerelle un petit peu ta vie. Elle te demande comment vont tes amours, entre parenthèses, DJ Skunk et votre petite fille. Ah, ils vont bien. Ça se passe bien. Ok. J'ai vu que vous avez fêté l'anniversaire, c'est ça? Oui, c'est un an. C'était trop bon. Bon anniversaire en retard, hein. Bon anniversaire. Hein. Yes. Question de Momo972. Comment fais-tu pour allier ta vie d'artiste et ta vie de famille? Est-ce que c'est difficile ou pas? Je vais pas mentir, ouais, c'est quand même compliqué par moment, ouais. Mais c'est un métier comme un autre, même plus difficile, surtout avec la situation sanitaire. Donc on fait ce qu'il faut. Ok, ça marche. Question du petit Chabin. Où as-tu appris le patois jamaïcain et pourquoi tu ne chantes pas, quasiment pas en créole dans la plupart de tes sons? Ben en fait, j'ai toujours écouté Vapid Cartel, Spice, etc. Donc moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc moi, je me suis dit, bon, j'ai fait un petit peu d'eux et un petit peu d'ici. Okay. Et puis ça a fait un mix, mais je travaille surtout le patois avec Nico, qui le parle mieux que moi. Donc voilà. Ça marche. Et voilà. Une dernière question pour la route. Question de Alicia. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 23 ans, fraîche. Ok. C'est pas vrai du tout. Non, je croyais en plus. Moi-même, on est là. Ah oui, voilà. J'ai 30 ans. Ok, 30 ans. Ok, mais ça va. Tu as 35. On a cru que tu faisais 23 ans. Bah oui, moi, j'y ai cru en plus. Hein. Chrissy est notre invité. Bon, je lâche le redeem pour toi et tu prêtes pour nous lâcher le live. Yes. On y va. C'est le son marionnette. Montez le son sur Énergie. Chrissy est en live sur Énergie. Wine, we are wine. Hey. Ainsi font mes petites marionnettes. Elles font. Toi, petit son et puis s'en vont. Présent, break. Y'a pas de fi-fi. Il regarde la notice sur mon corps d'aïe. J'ai pas le time. Get la maï. Hey yo. Toujours imité, jamais égalé. T'as qu'à laisser la baisse rouler, je vais te régaler. We don't come my eye, you. We don't come my eye, you. Ainsi font. Mes petites marionnettes, elles font. Toi, petit son et puis s'en vont. Hey, ça passe ou ça casse. Je t'inviterai bien à ma masterclass. Sorry, I'm not sorry. I'm so good for everybody, yes, you know me, huh? So wine, we are wine. Les mains café en son mains qu'à caser en caille. Boum, boum, baby, don't worry. J'ai les couilles, j'ai la team et j'ai la money. Ainsi font. Mes petites marionnettes, elles font. Trois petits sons et puis s'en vont. Bam, bam, clap, dead now. Don't touch me now, don't touch me now. Don't touch me now, don't touch me now. Hey, wine, we are wine, energy, music, honey. On fait du bruit pour Chrissy. Yes.
Merci d'avoir été notre invité, Chrissy. Merci pour l'invitation. Quelle est ton actu dans les jours à venir? Est-ce que tu as des projets? Vite fait, on fait un petit point sur ton actu. Hein. Alors oui, il faut quand même rester connecté. Stay connecting now. It's me. Hein. Et donc, il y aura des projets qui vont sortir, mais je ne veux pas en dire plus. Mais ça arrive très, très, très bientôt. Ça roule. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram, qu'est-ce qu'on tape pour tomber sur ton profil? Chrissy officiel. Simple. Ok. Avec deux Y. Hein. K-R-Y-S-S-Y. Deux S. Voilà. Deux S. K-R-Y-2-S-Y. Super, merci beaucoup Chrissy. Yes, bon week-end à toi. Plaisir. À la prochaine. Bon week-end les auditeurs. Bye bye.